Bonjour et bienvenue sur InfoCity. Nous allons faire connaissance avec Olivier Senger, directeur de l'école de musique du Pays d'Atzorn, et discuter des actions mises en place pour l'apprentissage de la musique pendant cette période de confinement. Bonjour, monsieur Senger. Bonjour. Monsieur Senger, présentez-nous en quelques mots l'école de musique du Pays d'Atzorn, les instruments, les cours, les professeurs. Oui, alors l'école de musique du Pays de la Zorn, c'est donc une école de musique qui intervient sur l'ensemble de la communauté de communes. Donc on a plusieurs sites d'enseignement. La plupart se font sur la commune de Horfelden. On a quelques cours d'initiation aussi à Schwindratzheim. Et actuellement, on compte 160 élèves instrumentistes avec une équipe pédagogique de 17 professeurs. Et donc, les instruments enseignés, on a des instruments à vent, cuivre, bois, percussion, du chant, que ce soit en pratique individuelle ou en cours collectif. Action-réaction, vous n'êtes pas resté longtemps inactif, hein, Monsieur Senger. Je vois une note adressée aux parents sur l'enseignement à distance le 16 mars, 24 heures, je crois, après ou même avant la date officielle du confinement. Donc, de quoi s'agit-il, cet enseignement à distance? On a dû s'organiser suite à la fermeture des établissements scolaires. On s'est aligné sur eux, puisqu'on est nous-mêmes enseignants. Alors, ce n'est pas le même cadre, puisque c'est de l'extrascolaire. Mais on a décidé, pour ne pas rompre complètement les liens avec nos familles, nos élèves, de maintenir une activité minimum à distance. En mettant en place des procédés avec l'arsenal numérique à disposition des professeurs selon leurs moyens, que ce soit en cours par visioconférence ou en vidéo interposée, c'est-à-dire que les élèves envoient des vidéos à leurs professeurs et inversement, et puis ils peuvent avoir un peu des échanges au long de la semaine, ou que ce soit tout simplement du travail envoyé par email. Donc on va dire ça fait 3 semaines donc jusqu'aux vacances de Pâques où on a pu quand même maintenir un lien avec les élèves dans les différentes classes instrumentales, en tout cas dans les cours individuels. Pour tout ce qui est cours collectif, c'était un peu plus compliqué. Là effectivement, alors en classe de formation musicale pour les élèves, il y a des choses qui ont été envoyées. Mais par exemple l'éveil musical, tout ce qui concerne les plus jeunes, l'initiation, et bien sûr les cours d'orchestre, les ensembles, ça par contre ça n'a pas pu être maintenu. Quels sont les outils numériques nécessaires pour suivre l'enseignement à distance? Alors il y en a plusieurs. Tout d'abord, on a mis en place plusieurs groupes de discussion, notamment un groupe de discussion au sein de l'équipe pédagogique qui permet de communiquer plus facilement sur WhatsApp. Et on a organisé plusieurs réunions de travail en visioconférence pour pouvoir un peu s'organiser dans cette période. Ça, c'est en interne. Et après, avec les élèves, la plupart utilisent beaucoup WhatsApp, FaceTime un petit peu, sinon l'application Skype ou Zoom pour les cours en direct. Et après, il y a eu des plateformes qui ont été créées pour transmettre des ressources, des partitions ou des choses que le professeur peut mettre à disposition, contenu audio, contenu vidéo ou tout simplement partitions. Ça permet d'avoir une seule plateforme collaborative, par exemple, pour une seule classe, pour tous les élèves, qui peuvent juste cliquer, consulter ce que le prof met toutes les semaines sur cette plateforme et garder un lien avec le prof. Est-ce que vous avez des séances vidéo enregistrées? Est-ce qu'on peut imaginer d'avoir un concert par Skype enregistré à distance avec plusieurs musiciens comme on voit de temps en temps sur le web? On pensait pouvoir peut-être reprendre une activité pour la fin de l'année scolaire. Il se trouve que ce sera malheureusement sûrement pas le cas. En tout cas, on ne pourra pas maintenir de rassemblement ou de manifestation publique. Et c'est vrai que le mois de mai et le mois de juin sont souvent des périodes propices à des restitutions publiques, à des auditions, à des concerts des différents élèves et des différents ensembles.
Donc on est en train de réfléchir avec les professeurs pour remplacer ces concerts publics par éventuellement des choses en vidéo. Pourquoi pas une partition commune à tous les élèves qui puissent travailler chez eux et faire un montage pour la fin de l'année. Nous étions en compagnie de Olivier Seigner, directeur de l'école de musique du Pays de la Zorn. Merci, monsieur Seigner. Merci à vous pour votre sollicitation.